Face au constat de dégradation des milieux aquatiques, des collectivités comme le CIMBO et le CIATEO sur le bassin de l'Or se mobilisent pour améliorer la qualité physique, chimique, biologique et écologique des cours d'eau. Nous sommes sur un territoire qui se situe entre Montpellier à l'ouest et Nîmes à l'est, deux grandes villes, qui présentent, c'est un bassin côtier, donc en relation aussi avec la Méditerranée, et qui présente en gros une superficie de l'ordre de 410 km². Ce territoire aussi est maillé par un réseau de cours d'eau, qui sont au nombre de 5 principaux, qui se jettent au niveau de la lagune étant de l'Or, et il y a une relation dense et directe entre les cours d'eau et la lagune. Alors, le bassin de l'Or dans ses cours d'eau a été modifié dans les années 70. À l'époque, il y avait tout un programme de reconquête des terres agricoles. Donc, pour des raisons d'assainissement des terres agricoles, de drainage, mais aussi dans leur partie aval, d'écoulement de l'eau plus rapidement pour lutter contre les inondations, ces cours d'eau ont été recalibrés, rectifiés et fortement modifiés. Donc ils présentent aujourd'hui un faciès assez artificiel. Donc là, par exemple, on constate un cours d'eau qui est très rectiligne et puis surtout des berges qui sont envahies par de la végétation indésirable, comme ici les ronciers, et des berges qui sont abruptes et qui empêchent le cours d'eau en fait, de venir se connecter avec d'autres milieux comme des zones humides. Donc là, on est typiquement sur un tronçon où les berges sont en mauvais état avec un envahissement par des espèces indésirables, comme au premier plan les ronces, et puis derrière surtout un linéaire très important de carnes de Provence. Et en fait, cette végétation empêche la végétation typique des cours d'eau, donc les ripuscides, de s'installer sur les berges. Tous ces désordres en fait contribuent à une homogénéisation du milieu, dont les fonctions écologiques ont été perdues. Donc, mauvaise qualité de l'eau, puisqu'on perd en fait les fonctions d'auto-épuration de la végétation de rive. Une perte aussi d'habitat aquatique, puisque les écoulements sont très homogènes. Une perte aussi d'habitat connexe au cours d'eau, comme les zones humides, puisque voilà, le cours d'eau ne peut plus communiquer avec les terres périphériques. Et puis, globalement, une perte de biodiversité, parce que sur certains secteurs, il y a un envahissement aussi par des espèces opportunistes, comme la canne de Provence, et ça forme des peuplements très homogène et monospécifique, avec une seule espèce. Tous ces désordres entraînent aussi une mauvaise perception du cours d'eau. Pour les citoyens, ce ne sont plus des cours d'eau, ce sont des fossés. Et ce qui entraîne aussi d'autres désordres, comme des rejets ou des dépôts d'encombrants ou de déchets verts aussi, qui peuvent poser des problèmes. Et donc, il y a aussi une très mauvaise perception de ces cours d'eau par les citoyens. Et les fonctions récréatives ne sont plus non plus remplies. Face à ces constats, les élus du territoire ont souhaité engager un programme pilote de restauration des cours d'eau, la Virodonne et le Dardaillon. Cette action s'inscrit dans un programme de territoire plus global, animé par le CIMBO, le contrat de bassin de l'Or. L'objectif majeur du contrat de bassin, c'est porte sur la qualité de l'eau et sur une gestion optimale des masses d'eau. Ce projet est un projet phare du contrat de bassin de l'Or, qui s'inscrit dans un territoire plus global. Ce territoire, c'est le bassin versant. Il est animé par le syndicat du bassin de l'Or et en partenariat avec le CIATEO, syndicat d'aménagement des terres de l'Or, qui va réaliser ces travaux. Nous allons restaurer les cours d'eau qui sont la Virodonne et le Dardaillon. Le rôle du CIATEO, c'est de mener les maîtres d'ouvrage dedans, de mener le travail à terme. Donc il est propriétaire des berges depuis les années 50. Donc, c'est un projet pilote. Pour la Virodonne, il y a les communes de Valergue et de Lansargues. Et pour le Dardaillon, Saint-Nazaire, Saint-Just, Lunel-Vielle et Vérargues. Les travaux seront réalisés selon deux approches. La première, sur les parcelles actuelles du CIATEO, va consister à adoucir légèrement les berges. Pour cela, nous allons enlever la végétation qui envahit ces bords de cours d'eau, les types cannes de Provence et autres gros ronciers. Puis, à l'aide d'engins mécaniques, nous allons décaisser les talus pour adoucir les berges et trouver un aspect plus naturel. Nous allons pouvoir remettre une végétation adaptée avec des arbres en haut de berge pour favoriser l'ombrage, des espèces arbustives en milieu de talus pour les maintenir, et enfin, des espèces aquatiques au fond du lit
pour retrouver un fonctionnement plus naturel. Ces aménagements seront accompagnés de cheminements d'eau qui permettront à la population de se balader et de redécouvrir le milieu. La deuxième approche, beaucoup plus ambitieuse, va consister à déplacer le cours d'eau pour lui redonner un profil plus naturel. Pour cela, dans un premier temps, on aura une première phase de gros terrassement. On effacera le cours d'eau actuel, trop rectiligne, puis on redessinera le nouveau lit en créant des méandres, courbes et autres zones humides. On placera ensuite des obstacles, type rochers, qui joueront le rôle de déflecteurs de courant. Cela amènera une diversification au lit qui retrouvera son bon fonctionnement. Pour retrouver l'aspect naturel des cours d'eau, nous procéderons à des plantations nouvelles et diverses, des arbres, des arbustes, des plantes aquatiques, comme dans la première approche. Pour permettre à la population de redécouvrir les milieux et de se promener, des cheminements piétons seront créés le long des cours d'eau. C'est donc un important investissement des acteurs locaux pour redonner vie aux milieux aquatiques du bassin de l'Aure et permettre une réappropriation de ces milieux naturels par les citoyens. Le financement de ces actions est assuré par le Pays de l'Aure et le Pays de Lunel et bénéficie d'un cofinancement important, à hauteur de 80%, de l'Agence de l'eau et de l'Europe. Vous pourrez suivre l'actualité des travaux, qui vont se dérouler au cours de l'année 2017, grâce à une série de films courts à retrouver sur le site internet du CIMBO.